Comment ça va? Je suis très content de te retrouver sur cette vidéo. Donc tu vois, aujourd'hui on est dimanche. Je décharge donc le matériel parce qu'on avait une soirée hier. Je t'avoue, c'est la première fois que ça arrive parce que d'habitude on décharge les dimanches matin quand on rentre. Mais hier on était tellement crevés, tellement fatigués. Une prestation au disque jockey, c'est énormément de manutention. En général, le chargement, ça se fait le samedi, des 20 minutes de chargement. Et une fois que tu arrives donc sur le lieu de prestation, on redécharge. On monte le matériel. Et une fois que la soirée est finie, après 10-12 heures de travail, on démonte le matériel, on recharge le camion et on redécharge le camion. Il y a énormément de travail. Le disque jockey, c'est pas seulement le DJ qui est en train de mixer sa petite musique. Et puis, il a la belle vie. Oh là 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 là, on en est loin, très loin, croyez-moi. Je vais te laisser simplement avec la vidéo d'hier. Donc hier, c'était un anniversaire surprise, c'était 18 ans, c'était vraiment sympa. Moi, je te laisse avec la vidéo, je te dis à très bientôt, et des bisous. Allez, re-salut à tous, on se retrouve donc sur la présentation de cette sonorisation pour des 18 ans surprise. Pour la petite histoire, c'était des clients dont j'avais fait leur mariage il y a 8 ans qui m'ont redemandé pour les 18 ans de leur fille. Nous avons donc comme par habitude illuminé la salle de réception. On a profité aussi de cet événement pour mettre en place notre nouveau système HDMI sans fil avec le récepteur qui est ici, et nous allons aller derrière la sono pour vous montrer l'émetteur qui est là. Alors c'est un super système vraiment fiable. Bon, par contre moi j'ai remarqué qu'il y a des petits problèmes avec le micro, j'ai l'impression qu'il y a des interférences entre l'HDMI et le micro. Alors en termes de matériel, nous avons comme d'habitude réinstallé notre IDJ XZ, notre table DMX 512 ainsi que nos 4 lire Nichols Burney XL, et nous avons aussi rajouté nos 2 lire Challenger. Nos 6 lire sont donc pilotés sans fil en DMX. Le temps de prendre 2-3 photos et se la péter, la soirée a donc commencé et notre star de la soirée est arrivée sur les coups de 20h30, elle n'était pas au courant bien évidemment de cette fête. Nous avons animé toute la soirée avec beaucoup de jeux de table, beaucoup d'animation afin d'occuper en festivité tous les convives. En effet, un disque jockey n'est pas qu'une personne qui passe des disques, elle doit aussi savoir parler au micro et bien savoir ambiancer et animer toute une soirée. Nous avons eu aussi un film surprise, d'où l'importance d'avoir un vidéoprojecteur et un grand écran connecté au préalable. Une fois le gâteau lancé sur les coups de minuit et demi, nous avons enfin lancé la soirée disque jockey. En passant des musiques généralistes des années 80, 90, 2000, sans oublier des musiques d'actualité vu que c'était quand même des 18 ans. La soirée s'est terminée sur les coups de 3h15. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, partager et à liker cette vidéo.